Et nous allons à présent nous occuper d'une énigme en fait qui se trouve dans les tréfonds d'Uric et qui permet d'ouvrir cette porte-là, porte derrière laquelle se trouve eh bien, la bibliothèque manzorienne concernant les grèves et mouvements sociaux chez les nains. Alors pour ça, il va falloir activer des leviers mais qui vont se déplacer dans toute la zone. Donc le premier levier se trouve juste ici. Donc on vous montre le second levier à activer. Qui se trouve dans cette salle juste ici. Alors que je mette la carte à jour. On l'active. Le suivant se trouve dans le dortoir qui est à l'est de la taverne. On retourne vers le sud, on entre ici. Et là, entre deux J'ai lits, toujours l'impression qu'on tourne en rond. vous avez un autre levier. Le suivant est légèrement au nord. On sort, on entre dans cette galerie. Et juste dans le coin, ici, Les se nains font des trouve cartes sur du granit. le C'est plus levier lourd, suivant. mais ça dure plus longtemps. Alors ces quatre premiers leviers, vous pouvez les faire dès que vous arrivez dans cette zone, dans les tréfonds d'Uric. Par contre, pour le suivant, vous devez d'abord terminer le combat sur le pont des abîmes, ce qui vous permet d'ouvrir l'accès vers le forgeron. Et c'est dans la forge que se trouve le levier suivant. Juste ici, vous avez le levier qui se trouve juste à l'entrée. Et alors enfin, le dernier levier se trouve à la taverne. Donc on entre ici. Et vous avez le dernier levier qui se trouve juste là, devant les gros tonneaux. Et vous l'activez. Alors cette action permet de débloquer ces deux statues qui sont juste devant la porte fermée qui nous intéresse. Et ce n'est pas terminé. Maintenant, il va falloir orienter les statues vers le sud pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, on revient juste ici devant la porte qui est fermée. Et on tourne les statues vers le sud. Enfin, la porte s'ouvre. Encore une victoire de l'intelligence. Alors ici, vous rencontrez une naine. Mais que faites-vous ici? Donc on va passer le dialogue et juste ici se trouve la bibliothèque manzorienne. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Vous pouvez ranger tous les livres et le nain gagne plus 2 en constitution. Alors d'ailleurs, il y a encore quelques petits trucs, on va essayer de voir un peu. Alors, y a de l'or là-dedans? On a une couronne épique pour la magicienne. Alors ça, je pense que c'est une robe épique aussi, même si la couleur ne correspond pas. Bon, une arbalète, ok. Et ici. D'accord, bon, et ici on n'a rien de spécial.